Bonjour à toutes, euh, bonjour à toutes. Nous sommes le mardi 22 février 2022. C'est donc une journée incroyablement cosmique pour toutes celles et ceux qui vont se prendre le portail dans la gueule. Voilà, voilà, voilà. Bon ça <laughs> Ceci étant dit, je vais passer au sujet qui m'amène à faire cette petite vidéo. Euh, concernant la situation en Ukraine d'un point de vue de l'astrologie. Qu'est-ce que les astres peuvent nous, en, euh, nous, nous donner comme indication Bon, j'ai déjà été assez rassurant sur le sujet. Euh, je vais y donner quelques petites précisions. Mais surtout, c'est aussi l'occasion de, de faire un point euh, sur euh, l'histoire et la culture de ce pays qui est complexe. Puisque c'est un pays, alors comme beaucoup de pays d'Europe de l'Est, un pays qui est euh, divisé entre plusieurs ethnies. Euh, grosso modo, on peut dire que historiquement, euh, l'actuel, ce qui représente la, le territoire ukrainien, euh, est divisé en, en trois, voire même quatre grandes influences hein, historiques c'est à savoir ben, la Pologne, euh, la Russie, la, Lut la Lituanie, pardon, euh, mais également il y a aussi la Turquie. Voilà, donc c'est vraiment quatre aires quatre d'influence. Alors bon. Turquie, c'est assez minime, donc on retiendra trois grandes aires d'influence. Mais ces trois grandes aires d'influence, vous l'avez compris, donnent une homogénéité extrêmement difficile pour ce territoire. Et de fait, euh, historiquement, c'est un pays qui a toujours été euh, baladé au, au, au gré des influences et in fine on peut dire qu'il ressort deux grandes zones d'influence à une zone plutôt bah, pro russe hein, bien sûr et puis l'autre qui est plutôt pro occidentale et qui finalement se joue euh, aujourd'hui euh, savez l'histoire récente de, 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 de l'ukraine euh, elle a été évidemment marquée par la révolution bolchevique en 1917. En bon, 1918, on va dire que l'Ukraine euh, avait déclaré son indépendance, mais au final, elle a fini par basculer dans le camp euh, bolchevique, donc dans le, dans, en, en adhérant progressivement à l'URSS. Et avec l'effondrement du bloc soviétique en, en, 1700, en, 1700, pardon, <laughs> en 1991, euh, l'Ukraine a dû faire un choix. Donc elle s'est détachée de la Russie, elle a même proclamé son indépendance vis-à-vis -vis de la Russie, son indépendance totale, mais finalement on se rend compte de son, dans son histoire récente, elle a toujours été divisée euh, entre le bloc occidental et le bloc euh, oriental. De son côté, euh, la Russie, euh, on est vraiment dans, quand même dans sa zone d'influence culturelle sur un plan religieux. Alors je vous rappelle que la Russie... C'est finalement cette, cette culture slave, on peut dire qu'elle est, qu est née d'une blessure ontologique commise par l'Occident. Et ça, c'est pas nouveau. Les prémices en sont déjà pendant le grand schisme de 1054, qui a vu la séparation définitive entre l'église chrétienne d'Orient et l'église chrétienne d'Occident. Donc, d'un côté, nous avons le patriarche de Constantinople, de l'autre, le, ben, le pape. Voilà. Et surtout. La croisade, la croisade détournée de 1204, hein, euh, qui, a, qui a été donc détournée pour mettre à sac la capitale byzantine, donc Constantinople à l'époque, euh, a laissé de grandes et profondes cicatrices dans la mémoire de, 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 de ce pays, dans la, dans la mémoire slave, dans la culture de, de, de ce pays. Et depuis, finalement, euh, du côté russe, il y a une certaine forme de méfiance vis-à-vis -vis de l'Occident qui, qui est vu un peu comme, la, comme les traîtres. Il n'en va guère différemment aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, Poutine ne cesse de dire euh, Moi, l'OTAN, je n'ai aucune confiance, euh, ce sont des traîtres. Et d'ailleurs, quand on regarde euh, une carte de l'expansion euh, de l'OTAN, on se rend compte que l'OTAN a pris pied un petit peu partout dans toutes les anciennes républiques socialistes soviétiques, donc les anciens satellites satellite de, de, de l'URSS et finalement euh, bah, le seul pays qui manque à l'OTAN c'est l'Ukraine voilà. donc la Russie est entourée c'est assez amusant enfin, amusant si on peut dire puisque euh, en 1962 année du tigre d'eau la dernière année du tigre d'eau 1962 on a eu affaire à une situation inverse, c'est-à-dire qu'en 1962, nous avons eu affaire à la fameuse crise des missiles de Cuba. Vous savez, c'est euh, l'URSS qui avait placé des missiles euh, à tête nucléaire sur l'île euh, Castriste, hein, donc l'île de, de Cuba, et menaçait directement euh, les États-Unis d'Amérique. Beaucoup ont cru à ce moment-là au fait que la Troisième Guerre mondiale allait éclater. Bon, au final, Brezhnev a retiré les, les, les non, pas Krushchev Khrush, à les missiles de, de Cuba et puis euh, le souffler retombé. Et bien aujourd'hui c'est la même situation. on est sur une année du tigre d'eau euh, depuis 1962 et euh, on retrouve cette situation où c'est la Russie qui se retrouve euh, quelque part menacée euh, par l'Occident donc par, euh, en particulier par l'OTAN. Voilà. Alors, euh, sur euh, un, un plan euh, concret, il y a des accords qui ont été conclus à Minsk entre la Russie et l'Occident, euh, accords qui stipulent que, grosso modo, euh, l'Ukraine, euh, tout ira bien à condition qu'elle reste en dehors de l'OTAN. Bon, Aujourd'hui, l'OTAN est très menaçant pour, euh, pour, faire, euh, pour intégrer l'Ukraine au sein de son organisation. Et c'est là où Vladimir Poutine dit, euh, stop, euh, on avait conclu des accords, vous ne touchez pas à l'Ukraine. En plus de ça, nous avons bah, deux, deux zones euh, où la population est vraiment euh, russophone. C'est donc la, la République de, de Donetsk et, euh, enfin, d'une manière générale, c'est le Donbass. On sait ce qui s'est passé hier. Poutine a reconnu une indépendance de, de, de ces républiques. Donc ils sont pour l'instant euh, officiellement détachés de l'Ukraine, de même que la Russie avait reconnu l'indépendance de la Crimée qui est une terre entièrement russophone. On va dire que l'Ukraine euh, se retrouve donc en situation de division encore une fois entre l'Occident et, euh, et la Russie. Les pro-occidentaux malheureusement, bon, ben, c'est le gouvernement ukrainien actuel au, en, actuellement en place au pouvoir à, à Kiev. Et euh, on va dire que c'est un gouvernement, euh, disons-le, c'est un gouvernement de mafieux, tel qu'on peut en voir dans tous les autres pays occidentaux, <laughs> no comment, euh, que, fort de cette division, eh bien, finalement, les lobbies euh, industriels ou militaires euh, profitent, essayent, essayent d'attiser euh, la rancœur euh, et puis tout simplement euh, la corruption pour pouvoir écouler des armes. Enfin bref, c'est une situation à n'en plus finir. Sauf que la Russie, elle tient bon, devant. On a un Poutine. Alors, c'est vrai que Poutine, il n'est pas très en forme en ce moment. La Russie, elle n'est pas dans une situation économique extraordinaire, mais elle est en train de se redresser progressivement. Et puis d'ailleurs, sur un plan astrologique, euh, la grande renaissance de la Russie, on l'attend sur l'année 2026. Donc pour l'instant, la Russie est un peu endormie, mais il faut, faut faire attention parce qu'il ne euh, faut pas réveiller un ours qui dort. Euh, il, pourrait, il pourrait faire mal. Alors, quid de la situation sur un plan euh, astrologique euh, sur, euh, sur les, les semaines qui, qui viennent Je vais me montrer tout à fait rassurant. Nous arrivons sur une conjonction Jupiter-Neptune qui n'a pas de quoi nous inquiéter euh, par rapport à un conflit. Alors, quand je dis n'a pas de quoi nous inquiéter, euh, je pense qu'aujourd'hui, on est davantage sur des tensions diplomatiques. On va avoir une conjonction Mars-Pluton, là, dans quelques jours, euh, qui va un petit peu exacerber ces tensions. Mais, in fine, euh, de par ce bouclier euh, formé par Jupiter et Neptune, nous ne devrions pas euh, nous engager sur la, la, la voie d'un conflit n'en déplaise à nos gouvernements. Voilà. Ce qui est intéressant aussi à voir sur euh, sur l'Ukraine, si on regarde, je vais vous montrer la carte euh, de, de la carte astrologique, le thème de euh, l'Ukraine hein, qui a prononcé son indépendance le 24 août 1991, on se rend compte qu'à l'ascendant de ce pays, on a une, quasiment une triple conjonction entre euh, Saturne, Uranus et Neptune. Alors Saturne. Neptune, c'est vraiment la signature de la Russie. Et puis cet Uranus à l'ascendant est plutôt orienté occidental. Donc ça veut dire que vraiment même dans la, dans la carte, dans le thème de, 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 de l'Ukraine, euh, il y a, est inscrit euh, cette euh, hésitation entre le bloc occidental et euh, le bloc oriental, donc la Russie. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas grand-chose qui vient perturber cette carte. Donc je ne suis pas vraiment très inquiet sur le devenir de l'Ukraine. Alors évidemment, je, vous avez compris, je suis toujours d'un tempérament optimiste. Mais voilà, je pense qu'il est inutile de, de, de s'inquiéter plus qu'il n'en faut. Aujourd'hui, le mal est davantage porté par les médias et par les gouvernements occidentaux, qui de toute façon sont aux abois. Compte tenu de la euh, fin de la situation de la gestion de la crise sanitaire. Et puis, euh, nous avons une échéance électorale en France sur laquelle un certain euh, résident euh, souhaiterait pouvoir surfer. Pas sûr qu'il y arrive. Voilà, euh, c'était donc quelques mots sur, euh, sur l'Ukraine. Euh, nous allons nous diriger vers une prochaine nouvelle lune. Au mois de mars qui sera aussi particulière avec une euh, bon genre j'en dis pas plus que ça j'y reviendrai euh, très prochainement en attendant demain est une journée aussi que j'avais annoncé comme étant euh, potentiellement euh, riche en événements c'est le dernier quartier de lunaison de cette fameuse euh, lunaison du verso hein, cette lunaison de libération et eh bien on verra ce qu'il en adviendra à toutes et à tous je vous souhaite une excellente journée et donc a la prochaine vidéo. Ciao, ciao, je vous embrasse.